Bonsoir, 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 salutations à la communauté, peuple afro-descendant, africain, sympathisant, adhérent de la LDNA. C'est votre camarade panafricaniste, Egouti Béanzin, porte-parole, leader de la Ligue de défense noire africaine. Je demande à tout le monde de se connecter, donc j'attends que mes adhérents se connectent au maximum parce que j'avais prévu de faire ce direct pour 22h30. Mais je sais que demain, beaucoup iront travailler ou seront à l'école. Alors, j'ai prévu de commencer un peu plus tôt parce que je ne vais pas durer, mais du tout. Alors, je demande à tout le monde, à chacun et à chacune de se connecter et de sécuriser ce direct en le relayant au maximum dans les groupes. Et je demande aussi à mon équipe connectée sur ce direct de bloquer les trolls et toute personne qui viendront essayer de semer la zizanie sur ce direct, de les bloquer sans sommation. Et pour le reste, je demande à notre ingénieur d'enregistrer automatiquement la vidéo pour que la vidéo ne puisse pas être supprimée de ce que je vais dire ce soir. Alors, j'attends que les gens puissent se connecter encore un peu. Et nous allons démarrer ce direct. Donc, j'attends que tout le monde se connecte, que les gens puissent comprendre ce que je dirai ce soir. Peut-être après ce direct, ils viendront m'interpeller parce qu'ils cherchent depuis un moment l'occasion pour ça. Alors, peut-être après mes vérités dans ce direct, viendront-ils défoncer ma porte parce que j'utilise mon droit, je dis bien mon droit à l'information, et la liberté d'expression. Alors, j'attends que les gens puissent se connecter. Voilà. Parce que c'est très très grave ce qui se passe. C'est très très grave. En attendant que les gens se connectent, je tiens à rappeler et à rappeler, à dire à tout le monde, parce que je sais que je suis très suivi au Mali et par la diaspora, qu'il y a une manifestation ce 20 janvier partout au Mali pour dégager l'armée française du Mali. Il y a une manifestation organisée un peu partout au Mali et à Place de l'Indépendance. D'ailleurs, je salue mes salutations fraternelles et patriotiques, bien évidemment, à tout le monde, à mes camarades de lutte, aux policiers, aux militaires, aux corps habillés que j'ai pu rencontrer, aux hommes politiques que j'ai pu rencontrer au Mali. Et mes salutations fraternelles surtout à mon grand frère, oui, je l'appelle grand frère, au ministre des Maliens de l'Extérieur. Voilà, c'est un grand frère pour moi qui me donne beaucoup de conseils. Donc, je l'envoie mes salutations. Alors, comme vous avez pu le voir, depuis quelques jours, on va dire depuis deux jours, on assiste maintenant à des attaques concernant la LDNA. Parce que la LDNA, comme d'habitude, hein, ne change pas de position à dénoncer la présence de l'armée, oui, que nous qualifions de l'armée terroriste française au Mali, et spécialement en Afrique, parce qu'il y a eu deux soldats français qui sont morts, et donc du coup, comme d'habitude, on a voulu
nous faire pleurer. Hein. On voulait que le monde entier puisse pleurer la mort de ces deux terroristes militaires français, ces barbouzes, hein, ces légionnaires qui massacrent bien évidemment la population malienne en toute impunité. On a voulu que les gens puissent pleurer parce que, selon la version de l'armée, de l'État français, ces militaires sont morts au Mali en défendant, je dis bien la version de l'État français, ces terroristes militaires sont morts au Mali en défendant les Français ou des fois les Maliens. Donc selon eux, ce sont des héros morts pour la France. Voilà, des personnes qui sont mortes pour la France. Et donc nous, nous disons que on ne se réjouit pas, attention, il y a une nuance, on ne se réjouit pas de la mort de ces pauvres personnes. Hein. Oui, ce sont quand même des humains. On ne se réjouit pas du tout de leur mort. Mais nous disons tout simplement que la Ligue de défense noire africaine ne regrette pas leur mort. Ne pas regretter la mort de ces personnes que nous ne connaissons pas ne veut pas dire qu'on se réjouit. Non, on ne regrette pas. Parce que quand des Africains meurent, tués, je suis désolé, mais le peuple français, le monde ne s'indigne pas et ne regrette pas de voir des enfants tués. Donc ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire parce que ça a valu des attaques à la LDNA. On a vu la classe politique, les députés, les élus, toute la fachosphère là en ébullition en ce moment à propos de ça. Parce qu'à chaque fois que la LDNA fait un tweet, ça fait polémique et on demande à la dissolution de la LDNA. Mais vous savez, la LDNA, c'est une idéologie, hein, c'est des idées. Vous pouvez dissoudre ou interdire ou supprimer tout ce que vous voulez, vous souhaitez. La LDNA existera toujours parce que c'est une idéologie, c'est une idée. Voilà, c'est pas juste un compte Internet. Donc, voilà. Alors, ce soir, et on apprend que il y a des civils, des victimes, des civils maliennes tués au Mali. Ce mardi, au Mali, il y a eu une frappe de l'armée impérialiste française causant la mort d'une plus de 50 personnes, parce que pour le moment, ça varie entre 20 et 50 personnes. Ces personnes qui sont mortes, tuées par des bombardements, par ces lâches, ces militaires qui ne savent que planer dans les airs et bombarder depuis les airs ceux qui sont en bas, participaient, il y avait, c'était pendant lors de il y avait un mariage, voilà, c'était, ils étaient en train de se marier, et donc l'armée terroriste française n'a pas trouvé mieux que de les bombarder. Et donc, ce que moi, j'aimerais dire ce soir, parce que oui, je sais que les médias, les journalistes sont tous branchés, hein, parce que pour écouter ce que j'ai à dire, pour voir si je vais dire des choses qu'ils pourront utiliser ou dire que voilà, vous voyez, je répète encore une fois, je le dis au nom de la Ligue de défense noire africaine, je parle au nom de la Ligue de défense noire africaine et bien évidemment pas au nom des Africains ni au nom du peuple noir parce que je ne suis pas le président des Africains ni du peuple noir. Je suis responsable de la Ligue de défense noire africaine. Et donc, bien évidemment, je parle au nom de notre organisation, des personnes, des adhérents, des sympathisants, de ceux qui se reconnaissent à travers notre idéologie. Et je répète et je persiste et je signe que les déclarations de la LDNA, je soutiens et que je valide. Oui, la LDNA ne regrette pas la mort de ces militaires terroristes français morts au Mali, parce qu'il n'y a pas de différence entre les terroristes ou ces groupes aux milices que la France arme. Et quand je dis la France, je parle bien évidemment de l'État français, de l'élite criminelle française. Je ne parle pas des pauvres Français qui eux-mêmes peut-être soutiennent bien évidemment ces crimes, ces barbouzes en uniforme, soutiennent l'État alors que l'État n'hésite pas à envoyer des CRS, les matraquer, les éborgner quand ils sont en gilet jaune et quand ils manifestent dehors. Donc c'est pour dire aux Français qui soutiennent hein, l'État français et sa politique impérialiste que faut pas oublier que
C'est le même gouvernement qui vous envoie les policiers pour faire une répression fasciste sur vous quand vous êtes dehors en gilet jaune en train de réclamer vos droits sociaux. Donc aujourd'hui, soutenir cette politique impérialiste parce que ce sont des Africains est valable aussi pour vous parce que vous imaginez bien que s'ils arrivent déjà à vous exploiter, à vous matraquer, à vous tuer et qu'ils font cette répression sur vous, imaginez et devinez seulement ce qu'ils font aux pauvres Africains qui sont sans défense dans leur pays. Et encore une fois, je dis vraiment mes sincères condoléances à ces pauvres victimes mortes aujourd'hui dans cette frappe que je qualifie de terroriste. C'est du terrorisme à l'état pur parce que l'armée française, l'armée terroriste française, c'est une armée d'occupation, bien évidemment, qui occupe nos terres illégalement, qui occupe nos terres avec la force, qui occupe nos terres avec ces terroristes habillés en uniforme à qui on donne le droit de tuer. L'armée française occupe nos terres. L'État français, d'accord? Terroriste, l'État terroriste français occupe l'Afrique depuis plus de 500 ans. Parce qu'il ne faut pas croire que ça date d'hier que l'armée française occupe l'Afrique. Dès l'instant qu'ils ont posé les pieds pour déporter des êtres humains en ramenant leurs militaires pour terroriser notre peuple et déporter nos ancêtres, c'est depuis ce jour, ça fait plus de 500 ans que l'Europe occupe bien évidemment l'Afrique. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et l'armée française ne vient pas d'arriver au Mali, ne vient pas d'arriver en Afrique. L'armée française a toujours été présente en Afrique et c'est ça que De Gaulle a toujours utilisé pour massacrer, hein. On peut les citer au Cameroun, au Togo, au Bénin, en Algérie, etc. Et pour ceux qui sont connectés sur cette vidéo, je vais bien évidemment vous dire encore une chose pour les personnes qui veulent encore rire ou peut-être rigoler parce qu'ils ne comprennent pas, parce que oui, peut-être je suis un peu trop loin pour vous. Parce que la différence avec vos idiots intellectuels, comme je les appelle, moi je suis un penseur. Je suis un penseur et j'ai le droit de penser et de dire ce que je pense. Moi je ne vais pas faire un débat face à quelqu'un pour essayer de dire je vais gagner un débat. Non, je ne suis pas là pour brader la souffrance de mon peuple, de ce que nous subissons pour gagner des victoires en débat. Quand je vais face à quelqu'un pour débattre, je vais bien évidemment pour exposer mes idées à moi et mon idéologie à moi et non pour gagner. Parce que gagner un débat ne changera pas, ne fera pas retirer la souffrance de mon peuple. C'est très important. Alors, pour ceux qui nous regardent, et je vais continuer sur cette vidéo, je dis et je répète que oui, De Gaulle a tué Sankara et que Mitterrand a tué Sankara. Oui, De Gaulle a tué Sankara et Mitterrand a tué Sankara. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la France, c'est normal que vous suivez l'histoire que ces personnes écrivent pour nous en disant tout simplement que Mitterrand a tué Sankara et on s'arrête là. Mais je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui l'armée française occupe vos terres illégalement et que l'État français continue de tuer le peuple africain sans que personne dans le monde ne bouge un doigt, sans que même l'ONU ne demande des enquêtes, n'ouvre des enquêtes, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Libye, il faut tout simplement comprendre. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. C'est parce que la France, le gaullisme est la première religion ici en France. Le gaullisme est une abomination. Et tous ceux qui sont arrivés, tous ceux qui arrivent après De Gaulle sont des hybrides. Vous comprenez? Ce sont des hybrides. Donc Mitterrand était un hybride de De Gaulle. Sarkozy, c'est un hybride de De Gaulle. Macron est un hybride de De Gaulle. François Hollande, hybride de De Gaulle. Eux tous qui arrivent après, si vous regardez bien, ils vous disent que ce sont des gaullistes. Et si vous ne savez pas ce que c'est que être gaulliste, le gaullisme, alors je vous invite tout simplement à faire vos recherches et vous verrez c'est quoi être gaullisme. Alors, quand moi je dis que De Gaulle a tué Sankara et que Mitterrand a tué Sankara, j'ai mes raisons à moi. J'ai mes raisons à moi que vos idiots intellectuels ne pourront sûrement pas comprendre, mais le peuple français. Ceux que nous combattons, eux, ont compris là où je veux en venir. Parce que comprenez-le que pour combattre, hein, pour s'imposer, il faut déstructurer l'idéologie sur laquelle les dominants se basent pour vous dominer. Et l'idéologie française, aujourd'hui, ce n'est pas
Macron, ce n'est pas Hollande, ce n'est pas Sarkozy, mais c'est le gaullisme. Et tant que les Africains feront cette lutte et ne pas s'attaquer au gaullisme, d'accord, à l'idéologie de De Gaulle, parce qu'aujourd'hui, le seul héros que possède la France, bien évidemment, c'est De Gaulle. Vous enlevez De Gaulle, vous leur retirez De Gaulle et ils n'ont plus aucun héros. Le seul héros qu'ils connaissent, c'est De Gaulle. Papa n'est plus là, papa De Gaulle ou grand-père De Gaulle n'est plus là et vous voyez qu'ils sont désorientés. Attaquez-vous à De Gaulle et vous verrez que la France, les Français, je dis bien, surtout la classe politique sera désorientée. Parce que pour eux, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils continuent de faire en Afrique, ils le font pour De Gaulle, pour ce que De Gaulle a instauré. Donc si Mitterrand a tué Sankara, vous imaginez bien que Mitterrand n'a pas tué Sankara pour ses propres yeux. Mitterrand a fait tuer Sankara pour faire plaisir à De Gaulle, par rapport à l'idéologie de De Gaulle. C'est De Gaulle qui a instauré, qui a installé ces outils que Mitterrand a utilisés pour tuer Sankara. Ça, c'était juste en parenthèse. Donc, aujourd'hui, l'armée française qui occupe nos terres illégalement en Afrique peut se permettre de tuer, de continuer à tuer des civils, de tuer les gens et que sans forcément être, sans être inquiété. Parce que je vais le révéler pour ceux qui ne le savent pas, qu'en Afrique, au Mali, aujourd'hui l'armée française vient de tuer plus de 50 civils. L'État français ne déboursera pas un euro de dédommagement. Parce que oui, l'État français, ça fait partie des accords coloniaux que l'État, que De Gaulle a mis en place hein, avec nos États, c'est que l'armée française peut tuer au Mali, peut tuer en Afrique, et c'est l'État malien qui est responsable des civils qui meurent, qui sont tués, qui sont assassinés par les bombes, je dis bien les bombes et les munitions françaises. Ça veut dire les 50 civils qui sont morts là, tués par l'armée terroriste française, leurs familles endeuillées ne recevront même pas un euro de l'État français, ni de l'État malien, parce que l'État malien n'a déjà pas d'argent dans ses caisses pour payer ses fonctionnaires. Vous imaginez bien que ce ne sont pas des civils tués par une armée d'occupation qu'elle viendra dédommager. Et c'est là où l'abomination, c'est là où je trouve ignoble, et que je vois que ça ne choque pas les Français. Et on nous demande de pleurer pour des militaires qui sont morts, des militaires que je qualifie de terroristes, d'accord, légalisés, hein, que la France utilise pour occuper nos terres, pour balkaniser l'Afrique. Ces militaires, quand ils meurent, le monde entier doit pleurer. On voyait même Ibeka pleurer. La classe politique malienne pleure quand des militaires français sont morts. On rend hommage à ces militaires terroristes français qui meurent. Mais quand ce sont les FAMAS, les militaires maliens qui meurent, qui sont tués chaque jour en essayant de défendre leur pays, personne, je dis bien, personne ne pleure pour eux, personne ne leur rend hommage, ni en France. Moi, je n'ai jamais vu en France l'État français rendre hommage aux militaires maliens qui sont tués. Non, mais pourquoi nous, Africains? Est-ce que nous, Africains, moi en tant qu'Africain, moi en tant que Noir, est-ce que j'ai le droit de ne pas regretter la mort de soldats français qui occupent illégalement les terres africaines? Oui, j'ai le droit, et c'est mon droit absolu. Je ne me réjouis pas de leur mort, mais j'ai le droit de ne pas regretter ces soldats qui meurent, que je ne connais bien évidemment pas. Et donc, je dis que si l'État français peut se permettre de tuer des Africains, de tuer des Maliens, sans être inquiété, parce que ces 50 civils qui sont morts, sûrement, il y a des pères de famille, il y a aussi des femmes, des mères de famille, des enfants. Est-ce que là, on voit la classe politique française condamner ces bavures? Moi, parce que selon eux, ce sont des bavures. Mais est-ce que vous voyez en Europe l'armée française faire des bavures sur des populations en Europe? Non. Quand l'armée française tue, même en Syrie, tue, même en Afghanistan, ça émeut le monde entier. Le monde entier s'indigne quand l'armée française qui occupe illégalement des pays tue des populations, tue des civils. Mais quand c'est en Afrique, personne ne pleure. Ça ne touche personne. Bah oui, parce que ce sont des pauvres, hein, ce sont des pauvres victimes africaines. Alors pourquoi pleurer? Pourquoi s'indigner pour des Africains? Bien évidemment, parce que dans leur imagination, qui se découpent déjà entre eux aux machettes, alors que si nous on vient avec nos bombes, on les bombarde.
pourquoi le monde doit s'indigner. Et c'est là où nous sommes là, la Ligue de défense noire africaine, et que nous leur rappelons que si vous ne vous indignez pas pour la mort de ces civils que vous tuez avec vos bombes, avec vos armes, que vos terroristes habillés en uniforme, à qui vous donnez le pouvoir de tuer, tuent sans que ça ne vous indigne, alors nous aussi on a le droit de ne pas s'indigner. Parce que aujourd'hui concrètement, il y a des Français qui regardent cette vidéo, qui viendront nous dire que, mais attendez, l'armée française, l'armée terroriste française au Mali est là pour protéger les Maliens, c'est pour défendre les Maliens. Mais je veux vous dire une chose, si l'armée française n'arrive pas à défendre le peuple français en France, d'accord, en tuant des terroristes qui traversent la Belgique pour venir se faire exploser, décapiter, les terroristes égorgent des professeurs ici dans ce pays. Si l'armée française n'arrive pas à protéger le peuple français, à les empêcher, vous croyez que c'est à 10 000 km de la France que l'armée française est capable de protéger les Français contre le terrorisme? Mais à un moment, il faut se réveiller. C'est pour ça que je dis, soit vous êtes des idiots, ou vous faites semblant, ou vous soutenez et vous êtes hypocrite. Parce que si l'armée française doit protéger les Français contre le terrorisme, ce n'est pas au Mali, c'est en France. Que l'armée française quitte le sol africain, parce qu'aujourd'hui, les gens diront, mais c'est les présidents qui ont fait appel à l'armée française pour venir défendre le Mali et les pays africains. Mais je vais vous dire une chose, ces présidents qui font appel à l'armée terroriste française pour venir occuper leur pays, mais qui les place au pouvoir? C'est comme si en réalité, moi, je prends une personne que je mets à la tête de notre organisation, c'est moi, j'ai tout fait pour le mettre là-bas, et demain, quand j'ai un problème, je fais appel à lui pour venir. Mais ce n'est pas le peuple qui demande aux militaires de venir occuper leur pays. C'est un gouvernement, un président, des personnes qui sont corrompues, élues par ce système, l'oligarchie, la bourgeoisie criminelle française qui les met, qui les place à la tête de ces pays pour servir leurs intérêts. Parce que bien évidemment, oui, je vais le dire que malheureusement, l'élite africaine, l'oligarchie africaine est aussi tout autant corrompue que l'oligarchie, l'élite française. Donc vous imaginez bien que quand ces personnes font appel à l'État français, ils n'ont pas le choix parce que ça fait partie des accords signés, mis en place. La France-Afrique, ce système qui perdure depuis des générations, mis en place par De Gaulle. Et donc, tout ce qui arrive, Macron, qui est président de la France, est en hybride de De Gaulle. Même si Macron, je sais, de sources sûres, que ce bonhomme a vraiment envie de changer les choses, mais il est pris. Il est pris par ces gaullistes qui sont autour de lui, qui le bloquent. Parce que ces gaullistes, bien évidemment, ne veulent pas lâcher l'Afrique. L'objectif de ces gaullistes, ce n'est pas de lâcher l'Afrique. Eux, ce qui les intéresse, c'est de perpétuer, de continuer ce système gaulliste mis en place pour appauvrir, pour retarder le développement de l'Afrique. Et donc, c'est là où je dis que les autres puissances, comme la Russie, la Chine, et les autres pays, comme la Turquie, etc., qui convoitent en ce moment le sol africain, les sous-sols de nos pays, s'ils ne sont pas capables, je dis bien, si ces pays que je viens de citer ne sont pas capables de fournir de l'aide logistique aux pays, à ces pays africains, pour se débarrasser de l'armée terroriste française, pour se débarrasser de ces militaires français, si la Russie, la Chine, la Turquie, qui veulent venir s'implanter en Afrique, ne sont pas capables de donner l'aide logistique à la population africaine pour combattre. Je dis bien, donner de l'aide, une logistique aux populations africaines qui sont prêtes, qui sont déterminées, à cette jeunesse prête à se battre pour libérer leurs terres, que ces pays ne viennent pas nous emmerder en Afrique, que ces pays ne viennent plus nous faire croire qu'ils sont là en tant que partenaires. Parce que si vous êtes là comme partenaire et que vous êtes contre cette politique impérialiste criminelle française, alors donnez de l'aide logistique claire, nette, précise à cette jeunesse qui veut libérer leur sol. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire à une jeunesse, pourquoi vous fuyez?
pour aller en Europe? Pourquoi vous ne vous battez pas contre, soi-disant, des terroristes, bien évidemment financés, encore une fois, par le Quai d'Orsay, hein, si on ne leur donne pas les moyens? Et moi, je sais que si demain, on donne les moyens à cette jeunesse, parce que la jeunesse africaine est une jeunesse très vaillante, et si on leur donne les moyens, je sais que la jeunesse africaine est capable, la jeunesse africaine est capable de combattre ces militaires français qui occupent leurs terres, parce que l'armée française est une armée d'occupation qui occupe nos terres, qui nous oblige, qui nous impose. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi ou vous qui vivez au Mali, vous formez un groupe pour libérer votre pays de vos dictateurs, la France viendra vous bombarder en vous qualifiant de terroriste. Parce que la France, l'armée française, l'objectif de l'armée française en Afrique, c'est de protéger les intérêts des entreprises, les multinationaux ou multinationales, je ne sais pas quoi, hein, l'intérêt économique de la France et aussi l'intérêt militaire et diplomatique de l'État français en Afrique. Parce que la France utilise les pays africains pour avoir une puissance diplomatique à travers le monde et surtout à l'ONU. Parce que, bien évidemment, les pays africains n'ont pas le droit de veto, n'ont pas de siège permanent à l'ONU. Et donc, c'est la France qui représente ces 14 pays francophones. C'est pour ça que vous verrez qu'aucun pays francophone demain ne pourra faire des accords, hein, de libre-échange des coopérations entre, par exemple, le Togo et le Venezuela, qui est sous embargo de l'Europe, de la France et des Américains, parce qu'ils n'ont pas le droit et ne peuvent rien faire. Alors, je dis bien que si ces pays qui viennent convoiter le sous-sol des Africains, soi-disant qu'ils sont contre cette politique que l'hégémonie française en Afrique, alors qu'ils donnent les moyens logistiques clairs, nets, à la population qui sont prêtes à se battre, à cette jeunesse capable, ceux qui veulent bien se battre. Et moi-même, je le dis, que si demain, il y a une logistique claire, nette, je serai le premier, je le dis et j'assume à travers cette vidéo, je serai le premier à aller défendre, oui, à faire ce qu'il faut, clair, si demain, il y a une aide logistique claire et nette pour débarrasser de nos terres. Je serai le premier. Parce que d'où je viens, mes ancêtres ont toujours combattu les colons. Je suis descendant d'une famille qui ont toujours combattu les colons. Que ce soit du Togo, du Bénin, jusqu'en Haïti. Je suis de lignée de guerriers et de guerrières qui ont toujours combattu les colons. Dans ma famille, aucun collabo, aucun négrier, aucun, quand je dis bien aucun. Il faut le comprendre. Nous, on s'est toujours battus. Moi, mes arrière-grands-parents ont été tués par la France parce qu'ils étaient contre la colonisation. Donc, c'est pour dire qu'à un moment, je pense qu'on ne peut pas continuer à rester les bras croisés, à regarder l'armée d'occupation française venir tuer nos enfants, tuer nos parents, tuer nos mamans, bombarder les champs. Parce qu'il y a des villageois, bien évidemment, qui ne sont pas riches. La seule chose qu'ils possèdent comme richesse, c'est leur bétail, c'est leur champ. Et quand on voit que l'armée française peut se permettre de bombarder en disant que là-bas, il y a des terroristes, mais on ne nous montre jamais les preuves. Il faut que les Français commencent à comprendre que ça ne peut plus durer. Et je dis, et moi j'assume que si l'État français, si Macron ne prend pas les choses en main et n'écoute pas la colère de la population africaine, alors l'Afrique deviendra l'Indochine de l'armée française. Je dis, l'Afrique deviendra l'Indochine de l'armée française. Parce qu'à un moment, on ne peut pas vivre éternellement en restant les bras croisés, en subissant. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand l'armée française peut se balader dans nos pays quand ils ne sont pas occupés à tuer, à bombarder la population civile? Vous savez très bien ce qu'ils font. Ah oui, ils sont occupés à faire de la pédophilie sur nos enfants, sur vos enfants, sur vos sœurs, sur nos frères. Voici ce que font les militaires. Il y a peut-être ce que font les militaires sur le sol africain. La plupart de ces légionnaires, vous le savez, sont des négrophobes, sont des racistes. Parce que ce ne sont pas des personnes qui sont nées, qui ont grandi en France. Ce sont des étrangers et ils ont une haine. Ils ont une haine et un mépris pour la population africaine. Et c'est eux qui sont en Afrique qu'on nous vend comme ils sont là pour sauver
la population africaine des terroristes. Mais qui finance ces terroristes? Et je vais même vous révéler une chose que peut-être la population française n'est pas au courant. Les terroristes libyens, écoutez bien, qui combattent en Libye quand ils ont tué Kadhafi, ce que les Français ne savent pas, dans ce pays, en France, il y a des Français qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Êtes-vous au courant que les terroristes libyens, ils avaient un aile réservée à l'hôpital américain, d'accord, de Paris? Il y avait un aile réservée spécialement pour les blessés terroristes libyens que la France a armés, qui combattent en Libye, sont soignés ici en France. Leurs familles sont à côté. Il y a carrément des voituriers pour eux qui ouvrent les voitures quand on les ramène de Libye pour les soigner en France. Oui, ça prouve que c'est la France qui arme ces terroristes. Parce que pour rapatrier des Libyens qui tuent, qui font de l'esclavage sur des populations africaines, pour venir les soigner ici à Paris, il y a un aile réservée qui était réservée pour eux à l'hôpital. Hein, l'hôpital ici, là, l'hôpital des Américains là, à Paris. Il y avait un aile réservée pour eux pour les soigner. Alors que dans ce pays, la population française, il y a un an qui meurt parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Bah, l'argent du contribuable permet à l'État français de soigner des terroristes que l'État français arme, finance pour balkaniser, pour déstabiliser des pays. Donc, à un moment, peuple malien, peuple africain, vous avez le droit de vous défendre sur vos terres. Vous avez le droit de vous défendre sur vos terres. Il y a une manifestation le 20 janvier à travers le Mali, un peu partout, pour dénoncer la présence de l'armée française et dire à l'armée française de quitter le pays. Alors sachez-le, si tout se passe bien, si tout se passe bien, je dis, on sera là parmi vous. Si tout se passe bien, on prendra part à cette manifestation, si Dieu le veut. Comme on dit, Inch'Allah, on sera là. Mais sachez que à un moment, il faut juste comprendre que notre lutte est légitime. C'est une cause noble. Puisqu'on peut nous tuer et que ça n'indigne pas le monde entier. 50 civils tués. On nous dit que depuis le début de l'engagement de l'armée française Barkhane en Afrique, au Mali, 50 militaires sont morts. Mais combien de civils tués par l'armée française? Combien de civils? Ça, l'État français, le ministère de la Défense, ne communique pas les chiffres. Dites-nous combien de civils sont tués. Les gens disent, oui, dans chaque guerre, il y a des dommages collatéraux. Oui, ça veut dire que quand ce sont des Africains qui sont tués, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas pleurer, c'est des dommages collatéraux. Alors quand vos militaires se font tuer aussi, c'est des dommages collatéraux. Pourquoi on doit s'indigner? Pourquoi on doit pleurer? Ils savent ce qu'ils vont faire là-bas, quand on les envoie là-bas. Même mon propre frère, je vous dis, moi-même, je suis issu de famille de militaires, d'accord? Je suis issu de famille de militaires. Mais je dirais la même chose si demain mon frère est envoyé ou mon oncle est envoyé au Mali et qu'il meurt au Mali, il sait pourquoi il est parti au Mali et qu'il est mort au Mali. Il l'a choisi. Moi, je n'ai pas à pleurer pour lui. Si j'estime qu'il n'est pas allé là-bas défendre le peuple, mais défendre l'intérêt d'une élite criminelle. Et c'est pour ça que je dis, nous ne luttons pas contre les Français. Il faut que les médias arrêtent de faire croire que la Ligue de défense noire africaine ou moi, nous luttons contre les Français. Non, les Français sont aussi victimes comme nous, sauf que ce n'est pas le même degré. Nous luttons contre l'élite criminelle française et la politique impérialiste française. Ce n'est pas contre les Français que nous luttons. Nous luttons contre la politique impérialiste criminelle française qui peut se permettre d'aller bombarder en Syrie, de tuer des populations, d'armer des personnes en Syrie pour tuer la population et venir se plaindre qu'elle lutte contre le séparatisme, le communautarisme. La France lutte contre le communautarisme, le séparatisme le jour et la nuit. Elle sort de façon clandestine les ressources, les richesses des pays africains qu'elle occupe illégalement avec son armée et en les terrorisant. C'est ça le problème, c'est quelle morale? La France ne peut pas prétendre lutter contre le terrorisme au Mali alors que c'est la France qui arme les terroristes en Libye. C'est la France qui a fourni les armes aux terroristes en Libye qui sont aujourd'hui venus au Mali. C'est de l'hypocrisie, c'est de la schizophrénie à l'état pur. C'est de la schizophrénie. Dites-moi comment, peuple français, c'est possible que
La France lutte contre le terrorisme au Mali, mais dans le même temps finance des terroristes en Libye, finance des terroristes en Syrie. À un moment, il faut que le peuple français se réveille. Ce n'est pas que les Africains qui subissent, qui sont peut-être aliénés, qui ont le cerveau lavé. Il y a aussi des Français qui subissent, qui ont le cerveau lobotomisé. Et il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps que le peuple africain doit comprendre que c'est légitime et que si l'État français, si Macron n'écoute pas la colère du peuple africain, alors aujourd'hui, vous parlez de terrorisme parce que pour vous, ce que vous appelez terroriste, c'est parce qu'on fait partie de Al-Qaïda et ou de Daesh, parce que je ne vais pas finir pour ne pas qu'il puisse signaler la vidéo pour le supprimer. Mais sachez-le que si vous continuez à faire les aveugles comme ça, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est toute la jeunesse africaine que vous allez qualifier de terroriste. Parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Ces gens que vous tuez aujourd'hui ont des enfants, ont des parents. Et sachez-le qu'ils vont chercher à se venger quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, c'est vous qui créez le séparatisme. Les terroristes, c'est vous qui les créez. Parce que vous venez occuper les terres des gens sans être invité. Vous tuez leurs parents, vous tuez leurs femmes, vous tuez leurs enfants et vous croyez que ces personnes vont vous apprécier parce qu'en échange, vous leur donnez des bonbons à leurs enfants en les filmant ou que parce que vous venez dégager une route parce qu'il y a eu la pluie et il y avait la boue. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous êtes là, comme vous dites, pour apporter la démocratie, apportez déjà la démocratie dans vos pays. Apportez la démocratie dans vos pays. La France est le pays qui censure le plus sur Internet. Et pourtant, la France te dit liberté, égalité, fraternité. La liberté, égalité, fraternité n'est pas réservée seulement au peuple français, mais à tous les peuples. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est pour tous les peuples. Et que veut dire la fraternité? La fraternité, c'est dans ces moments-là que les Français sont censés être dans la fraternité avec le peuple africain, le peuple malien, quand ils subissent de l'injustice. C'est ça la fraternité. Mais ce que nous constatons, c'est que dès qu'on essaye de dénoncer cette politique criminelle de l'élite française, il y a une partie de la population, des fachos, de la fachosphère de droite dure, d'extrême droite, et même une partie des bobos gauchistes qui viennent et qui nous pointent du doigt pour dire on est des séparatistes, on est des communautaristes, etc. Que on veut. Non, 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 on n'est pas des séparatistes. Le séparatisme, c'est vous qui créez le séparatisme. Quand vous dites aux gens que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, mais des députés dans ce pays qui sont noirs, qui vont à l'Assemblée nationale, il y a les statuts des gens qui ont rédigé le code noir. Le code noir, Colbert, la statue de Colbert, trône devant l'Assemblée nationale de ce pays où on nous dit liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui crée le séparatisme. Ce n'est pas la religion qui crée le séparatisme, mais c'est vous-même qui créez le séparatisme parce que vous obligez des gens à ne pas se sentir à l'aise malgré que vous criez pays de droits de l'homme. Donc, dire que le séparatisme est créé par la religion, c'est faux. Le séparatisme commence par là. Quand des gens à qui vous dites qu'ils sont français, d'accord, mais vous imposez des personnages, des statues, des gens qui les ont méprimés, déshumanisés, réduits en esclavage et qu'ils sont obligés de l'accepter. C'est ça qui crée le séparatisme. C'est ça qui crée le séparatisme. Et c'est ce que je ne cesse de dire aux politiciens, aux gens de ce pays, que le séparatisme commence par là. Et une fois que vous allez changer ça, vous verrez que les gens se sentiront plus à l'aise dans ce pays. Et il y a des gens, pour finir, il y a des gens qui diront, mais pourquoi vous vous battez en France, en Europe, à la diaspora, et pas en Afrique, parce que le combat se trouve en Afrique. Quand vous prenez une pièce de 1 euro, il y a deux faces, d'accord? Deux visages sur une même pièce, sur la même pièce. Si vous allez pour acheter et que l'autre face est sale, abîmée, la pièce, ça ne sert à rien de l'utiliser. Donc, il faut comprendre que l'Afrique ne sera pas émancipée, libre, si la diaspora n'a pas l'émancipation, si la diaspora n'est pas libre. Et la diaspora ne sera pas émancipée si l'Afrique est libre, parce que c'est les deux vont ensemble. Si nous voulons que l'Afrique se libère, il faut que la diaspora se libère. Si la diaspora est émancipée,
et que l'Afrique est émancipée, alors le peuple noir, la nation africaine, sera libre et émancipée. Ne croyez pas que demain l'Afrique sera émancipée et que sa diaspora, non, et qu'on va nous respecter. Non, parce que c'est les mêmes, c'est le même peuple, c'est la même chose. On doit se battre au niveau de la diaspora pour émanciper la diaspora et on doit se battre en Afrique pour émanciper aussi l'Afrique. C'est deux combats que nous devons faire. Il ne faut pas faire croire aux gens, et je dis bien, parce que je connais cette technique, je connais cette idéologie venue d'extrême droite que certains propagent sur le peuple afro, sur le peuple noir, qui consiste à leur dire, mais vous êtes dans la diaspora, vous subissez, vous n'avez pas le droit de pleurer. Ce n'est pas parce que nous vivons dans la diaspora qu'on n'a pas le droit de pleurer quand nous subissons des injustices. C'est grâce à la diaspora que ce qui se passe sur le continent est relayé. Parce que si la diaspora n'existait pas, la France serait même capable de lâcher une bombe atomique sur l'Afrique parce que personne ne va s'indigner. Mais elle sait qu'aujourd'hui dans la diaspora, il y a des millions d'Africains, d'Afro-descendants, d'enfants d'immigrés nés dans ce pays qui connaissent, qui commencent à comprendre leur système. Et aussi la diaspora, c'est la sécurité de l'Afrique, du peuple africain sur le continent. Donc arrêtez de vouloir mépriser, hein, mépriser ceux qui vivent dans la diaspora, parce que c'est eux qui sont le relais de l'information qui alimente sur les réseaux les choses qui se passent au niveau du continent africain et vice-versa. Les deux vont ensemble. On ne peut pas négliger le continent et favoriser la diaspora et on ne doit pas favoriser la diaspora en négligeant le continent. La nation africaine, la nation noire doit se battre partout. Et pour ceux qui, peut-être, diront mais ils sont dans un discours d'intégrationnisme. Moi, je ne suis pas dans un discours d'intégrationnisme. Je ne cherche pas à faire de l'assimilation, à m'intégrer. Je dis la vérité. Je peux aussi venir prêcher l'idéologie de l'extrême droite que certains négriers ou colons noirs propagent sur le peuple africain pour les endormir. Vous dire, oh mais rentrez tous en Afrique et vous serez respectés. Mais si vous n'êtes pas respecté en Europe où il y a un peu de loi pour vous, ce n'est pas sur le continent africain que vous allez être respecté, vous allez vous défendre. Si vous n'êtes pas capable de vous défendre dans la diaspora, ce n'est pas la peine de rentrer en Afrique parce que l'Afrique, ce n'est pas la poubelle du monde. Ce n'est pas ici on vous victimise. Si vous n'êtes pas capable de vous défendre et vous allez venir en Afrique, non. Battez-vous là où vous êtes, défendez-vous. Et une fois que l'Afrique se libère, la diaspora se libère, vous verrez qu'on va nous respecter. Voilà, et ça, je parle pour moi, je ne vous oblige pas, bien évidemment, à l'accepter, mon discours, et à comprendre cela. Mais qui sème, je dis bien, qui sème la colonisation, récolte l'immigration. Et ça, le peuple, l'État français le sait. Ils ont semé la colonisation, le néocolonialisme, et continuent de faire du néocolonialisme. C'est normal qu'en retour, ils sont en train de récolter l'immigration. Qui sème la colonisation récolte l'immigration. C'est très simple, mathématiquement parlant. Même quelqu'un qui est nul en mathématiques peut le comprendre et faire les additions. Donc je dis bien à la diaspora que nous avons un rôle à jouer pour libérer le continent parce que nous sommes, nous relayons l'information. C'est grâce à nous que l'information se propage. Et donc si en ce moment, le continent au Mali, ils sont en train de se mobiliser pour dire à l'armée française dehors, il faut que la diaspora se mobilise aussi. Il faut que la diaspora se mobilise. Cette guerre, la balkanisation de l'Afrique en ce moment coûte des vies humaines, que ce soit au niveau des militaires, que ce soit au niveau de ces militaires et aussi au niveau de la population africaine. Et nous devons réagir. On ne peut plus continuer à rester les bras croisés, à laisser la France, quand je dis la France, c'est-à-dire l'élite criminelle française, décider pour la majorité. Comment c'est possible qu'une minorité de personnes contrôle une majorité, décide pour la majorité? C'est ça, c'est là qu'il faut qu'on enlève les cadenas qu'ils nous ont mis dans la tête. Et moi, ça m'indigne, et je le dis, que pour 2021, le combat de la LDNA, de la Ligue de Défense Noire Africaine, sera basé, accentué sur le départ des troupes, sur le départ des bases militaires, des militaires de l'armée française en Afrique, partout sur le continent africain. Que l'État français rapatrie ses militaires et laisse les Africains régler leurs problèmes par eux-mêmes. Si le Mali doit tomber et que les Maliens, peut-être vous pensez que les Maliens ne sont pas capables de se défendre,
Vous verrez par vous-même que si l'armée française se retire du Mali, les Maliens seront capables de se défendre. Le Mali s'est protégé, s'est défendu depuis son indépendance, entre guillemets, jusqu'à présent. Ce n'est pas là que le Mali ne peut pas se défendre. C'est la France qui empêche les pays africains de se défendre parce qu'elle occupe avec son armée d'occupation nos terres en volant, en tuant et en empêchant toute rébellion, toute opposition de la jeunesse pour chasser ces dictateurs. Et ne venez pas me parler d'opposition, ne venez pas me parler d'opposition, d'opposants dans les pays africains. Je respecterai les opposants qui auront le courage de demander à leurs sympathisants, aux adhérents de leur parti, sortez dehors, occupez l'ambassade de France pacifiquement. Tant que vos partis politiques et vos soi-disant opposants n'ont pas le courage de défier l'impérialisme français, moi, pour moi, ce ne sont pas des opposants, ce ne sont pas une opposition. Ce sont des gens qui se disent opposants, opposition, tout en étant partisans. Non, ce ne sont pas l'opposition ni les opposants qui vont libérer nos terres, les pays africains. Mais c'est le peuple qui libérera leurs terres par eux-mêmes. Arrêtons de croire que les opposants, l'opposition, je sais pas, ils sont tous là pour servir la France. Ils sont tous là pour servir leur poche à eux. Ils ne sont pas là pour servir l'intérêt du peuple africain. Donc, je dis bien, nous condamnons fermement la mort de ces civils maliennes aujourd'hui tués au Mali par l'armée terroriste française au Mali et en Afrique qui balkanise, qui occupe l'armée d'occupation de l'armée française qui ont transformé cette armée qui a transformé l'Afrique en espèce de camp de concentration à ciel ouvert où elle peut faire ce qui lui semble sur nos sols, mais cela va changer très prochainement et je sais que les choses changent et les choses vont changer. Donc, je vous dis merci beaucoup. Et bien évidemment, pour ces civils qui sont morts, vous allez voir, nous allons réagir immédiatement pour faire comprendre à l'État français, à l'armée française, que nous ne sommes pas d'accord. Et que le monde entier doit maintenant être au courant. Le peuple français doit connaître, doit savoir la vérité. Je dis bien la vérité sur les mensonges, la présence de l'armée française, de ses militaires en Afrique. Et au Mali, le peuple français a le droit de savoir la vérité. Si le gouvernement français n'est pas capable de leur dire, alors c'est à nous de leur dire cette vérité. Et je dis, les pays qui viennent en ce moment pour convoiter le sous-sol des Africains, la Russie, la Chine, la Turquie, etc. Si vous n'êtes pas capable de fournir une aide logistique appuyée, claire, nette et précise à ces gouvernements ou à la jeunesse africaine prête à se battre pour libérer leur terre, ne venez plus nous emmerder. Et qu'on arrête de brandir les drapeaux de Poutine, de la Russie dans des manifestations, s'ils ne sont pas capables d'appuyer niveau logistique clair et net. Parce qu'à un moment, on ne va pas continuer à bavarder, à chanter, à danser, à faire des manifestations. Je vous dis, eux, ils ont des avions de chasse, ils ont des chars, ils ont des fusils d'assaut. Ils ont des missiles, bombardent, tuent. Ce n'est pas avec juste la parole que nous allons libérer nos terres. La France ne s'est pas libérée des nazis avec la parole. La France s'est libérée des nazis, de l'armée allemande, avec en se battant. Qu'on comprendra qui veut. Je ne vais pas rentrer clairement dans les mots. Chacun pourra interpréter à sa manière ce que j'essaye de faire passer comme message à travers cette vidéo. Et j'assume mes propos et je dis, on ne se réjouit pas de la mort de qui que ce soit, mais on ne regrette pas la mort de ces terroristes militaires maliens, parce qu'il n'y a pas de différence entre des militaires français qui occupent des terres illégalement, qui tuent les populations sans dédommager, sans débourser un euro. Et c'est ça qui me choque. La France tue en Afrique avec son armée, mais en toute impunité. Aujourd'hui, si un militaire français tue un Français, ici en Europe, les familles seront dédommagées. Les militaires vont comparaître devant la justice. Mais là, les 50 victimes qui sont mortes au Mali, la France ne sera pas inquiétée parce qu'elle a le droit de tuer en Afrique en toute impunité. Donc, on ne sait plus qui est terroriste, qui ne l'est pas. Il suffit que la France dise que
un groupe de rebelles opposants à un régime mis en place par l'État sont des terroristes, bim, elle envoie des missiles, les bombarder, les tuer en disant ce sont des terroristes. Voilà pourquoi les Français, les Africains n'arrivent pas à se libérer de leurs dictateurs. Ne croyez pas que les Africains sont des lâches, non. C'est juste qu'il y a tout un système mis en place par De Gaulle, verrouillé, qui contrôle toujours. C'est pour ça que je répète et je dis, je le dis, je persiste. Oui, De Gaulle a tué Sankara. Mitterrand a tué Sankara. Et comprendra qui pourra. Ça, je l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, que tous les présidents français qui arrivent après De Gaulle sont des hybrides de De Gaulle, sont des gaullistes. Leur idéologie, c'est le gaullisme qui est une abomination. Et tant que la diaspora, vous, les enfants issus de l'immigration, nés dans ce pays, si vous n'êtes pas capable et que vous ne le comprenez pas et que vous n'arrivez pas à déstructurer, à déboîter l'idéologie gaulliste, alors l'Afrique ne sera jamais libérée. Parce que la clé pour libérer le continent africain, c'est de déboulonner, de déstructurer, de déboîter le gaullisme. Parce que le seul héros que possède la France, c'est le gaullisme. Le papa des Français, le grand-père des Français, c'est De Gaulle. Vous enlevez De Gaulle et ils sont perdus. Vous enlevez le gaullisme et il n'y a plus rien qui existe. C'est ce qu'ils ont fait en Algérie. Ils ont combattu le gaullisme et aujourd'hui, ils sont libres. C'est ce que voulait faire le Cameroun quand ils ont tué les Moumiers. Ils ont génocidé toute cette population parce qu'ils ont compris qu'il faut combattre le gaullisme et non tendre la main, signer des accords avec les gaullistes. Voilà. Et ceux qui diront que oui, ils ne sont pas des Français. Moi, je dis, vous êtes des Français. Vous êtes nés dans ce pays. Vos parents sont nés dans ce pays. Vous avez le passeport français. Moi, j'ai le passeport français. Je dis, je suis français. Mais ça ne retire pas l'africanité en moi. Ça ne retire pas l'Africain que je suis. Dire que je suis français ne m'empêche pas de dormir et ne retire pas l'africanité en moi. Parce que contrairement à vous, moi encore, je suis né en Afrique. Je suis né dans un hôpital en Afrique. Vous, vous êtes né en France. Vos parents sont nés en France. Donc, si vous allez en Afrique, vous êtes considéré comme des expatriés. Oui, vous êtes des Africains, mais en réalité, vous êtes des expatriés. Il faut aujourd'hui que la diaspora puisse créer sa propre identité. Une identité afro-péenne. Au lieu de fantasmer, au lieu de rêver sur l'identité afro-américaine à longueur de journée, ah, l'identité afro-brésilienne, l'identité afro-ceci, mais ici en Europe, les Noirs ne possèdent pas leur propre identité, leur propre culture. Et c'est ça le problème. Donc n'ayez pas honte. Moi, je ne vois pas. Vous savez, être français, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous êtes au courant que dans ce pays, il y a des royalistes ou qu'il existait des royalistes? C'est quoi être français? La France, c'est quoi? La France n'existait pas. C'était des royaumes qui se faisaient la guerre, qui à un moment ont réussi à faire semblant, à s'unifier. Et le royaume normand, le royaume breton... Les Corses, vous tombez sur un breton, il vous dit « je suis breton ». Il ne vous dit pas qu'il est français, il va te dire « je suis breton ». Parce que être français, c'est une idéologie, c'est un concept. Ne croyez pas que ça vous retire l'africanité en vous. Non, ça ne vous retire pas l'africanité en vous. Ça ne vous retire pas l'africanité en vous. Moi, je dis « j'ai le passeport français, je suis français ». Où est le problème? Ça dérange ceux que ça dérange, c'est leur problème. Moi, ça ne me dérange pas de vous dire « je suis français ». J'ai le passeport français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je suis africain, je suis né en Afrique, je suis africain et ça ne retire en rien le fait que je me bats contre cette politique impérialiste française qui opprime, qui oppresse tout un continent. Encore heureux. Donc voilà, merci à tous. Je vous dis bonne soirée et ciao.